la société civile, dans l'expérience tunisienne que nous avons vécue depuis l'année 2011, a joué un rôle plus que fondamental. À plusieurs niveaux. D'abord, bon, partons d'abord avant tout d'une définition de la société civile. Ce sont l'ensemble des organismes qui participent d'une manière indirecte à la vie politique sans être directement associés à la vie politique par l'intermédiaire des partis politiques, par exemple, ou des institutions publiques étatiques. Et la société civile en Tunisie se caractérise par un certain nombre de caractères. D'abord, son attachement à la modernité et à l'héritage de Bourguiba. Je crois que ce que le peuple tunisien a fait après la Révolution, c'est qu'il a beaucoup consommé l'héritage de Bourguiba, ce qui lui a permis de faire front à certaines tendances radicales qui sont apparues dans la vie politique tunisienne, et en particulier au sein de l'Assemblée nationale constituante, qui était chargée de rédiger la Constitution. L'expérience que nous avons vécue présente un certain nombre de paradoxes et même, je dirais, presque de contradictions. En ce sens que, tout d'abord, nous avons obtenu une constitution démocratique, une constitution qui met énormément l'accent sur la liberté, sur les droits de l'homme, sur le contrôle des institutions de l'État, et notamment par l'intermédiaire d'une cour constitutionnelle, mais pas seulement, par l'intermédiaire d'une juridiction administrative et de l'ensemble des tribunaux également. Une constitution qui a abouti à ce résultat, malgré le fait que le parti qui gouvernait l'Assemblée nationale constituante, qui avait la majorité, était un parti d'inspiration religieuse, un parti confessionnel. Et le paradoxe a été que c'est sous ce gouvernement, dirigé par un parti majoritaire d'obédience religieuse, que nous avons obtenu cette constitution. Et l'explication, c'est que en fait, la constitution tunisienne a été arrachée à l'Assemblée nationale constituante par l'action de la société civile. Pas uniquement, évidemment. Il faut compter, par exemple, l'importance historique pour moi du retrait des députés, d'un certain nombre de députés de la constituante qui ont un petit peu bloqué les travaux de la constituante et qui ont donc joué un rôle fondamental dans le renversement de tendance. Mais à côté de l'action des partis politiques, d'opposition ou des députés de l'Assemblée nationale constituante, la société civile a également eu un rôle extrêmement important, tellement que nous pouvons parler et dire sans excès que cette constitution a été obtenue quasiment malgré l'Assemblée nationale constituante et par la force et l'intervention permanente des associations, et notamment les associations féministes, dans les grands débats qui ont agité l'Assemblée nationale constituante et la société elle-même. Donc, par exemple, sur le problème des droits de la femme, sur le problème de la religion d'État, sur le problème de l'atteinte au sacré, sur la prescription constitutionnelle selon laquelle l'islam est la religion de l'État, sur la question de savoir si la charia sera ou non source du droit, sur toutes ces questions-là, l'intervention de la société civile a été déterminante et c'est grâce à elle que nous avons obtenu le résultat final qui se manifeste dans une constitution qui est vraiment l'une des plus démocratiques du monde au niveau de la protection des droits et des libertés et de l'énoncé de ses droits et de ses libertés. La caractéristique la plus fondamentale de l'expérience qu'a vécue la Tunisie, ce n'est pas, bien sûr, la Constitution, c'est quelque chose de très important, mais il y a encore plus important que la Constitution. C'est le fait que cette Constitution a suscité dans la société un énorme débat public populaire, je dis bien populaire, pas un débat d'élite, ni un débat unilatéral qui vient de l'État, avec des prescriptions de l'État, comme sous Bourguiba. Parce que Bourguiba était un moderniste, mais c'était quand même
un despote éclairé, comme on dit. Éclairé, mais despote quand même. Donc, la caractéristique de l'expérience que nous avons vécue, c'est qu'elle a popularisé le débat public. C'est-à-dire qu'elle a institué la véritable démocratie. Parce que la démocratie, ça ne consiste pas uniquement à avoir des institutions démocratiques, mais à avoir des mentalités démocratiques. C'est ça le plus difficile. Ça exige une certaine culture, une certaine formation de l'esprit, une certaine éducation et une certaine expérience. Et ce qu'a fait la Tunisie durant ces trois dernières années, c'est cette expérience-là du débat démocratique qui est la première marche vers la démocratie et en particulier la démocratie institutionnelle. Je crois que c'est le plus important qu'il faut noter dans l'expérience de la Tunisie. Tous les débats ont été vécus, même les débats juridiques, hein, même les débats purement juridiques. Par exemple, la culture constitutionnaliste est devenue une culture populaire en Tunisie. Les gens s'intéressent à l'élaboration de la Constitution, à tel article, aux relations entre le gouvernement et l'Assemblée des représentants du peuple, entre le président de la République et le chef du gouvernement. Ils s'intéressent même aux techniques et aux procédures du droit constitutionnel, de telle sorte que le constitutionnalisme, grâce à ce débat public, est devenu une culture populaire en Tunisie. Et le débat constitutionnaliste, il est au cœur de l'idée démocratique. Je crois que le plus important à noter, c'est ça. C'est la Constitution, évidemment, mais à côté de la Constitution, dans la périphérie de la Constitution, derrière la Constitution, c'est l'instauration de cet immense débat qui a agité l'ensemble du peuple tunisien au cours de ces trois dernières années. Nous n'avons pas travaillé toujours dans l'homogénéité, mais au contraire dans la contradiction. Sur les droits de la femme, par exemple, les points de vue de la société sont contradictoires. Sur la relation entre la religion et l'État, nous sommes divisés. Et d'ailleurs, la Constitution elle-même reflète ces contradictions. Il y a une contradiction, pourrait-on dire, entre l'article 1er de la Constitution et l'article 2. Il y a une contradiction à l'intérieur même de l'article 6, qui d'un côté fait de l'État le protecteur de la religion, mais d'un autre côté reconnaît la liberté de conscience. Il y a des contradictions comme ça au sein même de notre Constitution, mais ces contradictions ne sont que le reflet de la société. L'essentiel, c'est que ces contradictions ne se résolvent pas par la violence. La réussite de la Tunisie, c'est qu'elle s'est attaquée à ces problèmes-là, qu'elle s'est attaquée à ses propres contradictions, à ses propres déchirures, mais par la procédure démocratique, ce qui lui a évité les aventures qu'ont connues d'autres États du monde arabe, comme le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye, etc. C'est l'un des rares pays arabes à avoir échappé, grâce à l'expérience démocratique, à avoir échappé à la culture de la violence.